Je n'attends guère que vous prêtiez foi à ce récit terrible que je vais vous conter. Je ne le demande d'ailleurs pas. Ce serait folie de penser vous convaincre, puisque mes sens eux-mêmes se refusent à l'admettre. Pourtant, je ne suis pas fou, et je suis certain de ne pas délirer. Je suppose que vous êtes le jeune monsieur attendu par Monsieur Haldwich. Non. Entrez. Vous voilà donc. Vous venez seulement d'arriver. Mais c'est follement risqué de s'aventurer sur la côte à cette heure, vous savez. Je suis ravi que vous soyez venu. La charmante fréquentation de mes amis apaise mes nerfs. Attention, j'ai recours à un solvant spécial. Les vapeurs peuvent provoquer des dommages irréversibles. Un peintre que je connais bien en est devenu fou. Le malheureux, il s'est arraché les yeux dans un accès de démence. Ses propres yeux. Veillez seulement à garder les fenêtres ouvertes. C'est un de mes passe-temps. En m'occupant l'esprit, j'essaie de combattre un peu cette nervosité congénitale qui me tourmente. J'ai une surprise pour vous, Henri. Votre frère est ici. Il est en haut, auprès d'Élise, en ce moment même. Ah, quelle époque bénie, je m'en souviens si bien. Cousin! Vous êtes venu. Oh, comme nous sommes heureux. Mon cher frère, ravi de vous voir. Venez vous joindre à nous. Henri venait juste de me raconter ses aventures. Il est allé partout. Vous en jouez si bien. Mes voyages appartiennent au passé. Je suis prêt à me fixer. Comment trouvez-vous oncle Edwin? Il nous inquiète. Ses tableaux prennent toute sa vie. Êtes-vous souffrant? Vous avez une petite mine. Thank you.
Il est tard pour qu'il soit encore dehors. C'est un jeune homme étrange. Vraiment un étrange jeune homme. Cinq, six, soit... Bonsoir. Sapristi, il se fait tard. Est-ce que quelque chose vous ennuie? Bien sûr que non. Bonne nuit. Dormez bien, vieux compagnon. Dormir enfin. Ah, ce fut une longue... Mmh.
Qui est là? Oh, mais... Ce devait être un rêve sombre et troublant, un rêve qui vous hante. C'est avec soulagement que je me suis retrouvé dans la demeure silencieuse d'Edwin. C'est un portrait de ma mère. J'étais très jeune lorsqu'elle est morte. Que Dieu l'ait en sa sainte garde. J'imagine que vous pensez qu'elle ressemble à Élise. Quelque chose dans le regard. Où est Élise? Elle passe beaucoup trop de temps avec votre frère. Je suis très heureux que vous soyez venu. J'ai décidé de demander la main d'Élise. C'est stupide, je le sais. Mon cœur bat la chamade. Je suis sûr que vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai peur qu'Edwin ne s'y oppose. Il la chérit par-dessus tout et il s'est toujours montré si hautain envers moi et mes faibles moyens. Je vous en prie, plaidez ma cause auprès de lui, ma vie entière en dépend. Je dois parler à Élise.
Vous avez fait des cauchemars cette nuit, non? Je ne veux pas le savoir, c'est clair, je ne veux pas le savoir. Edwin, comprenez donc. Elle est beaucoup trop jeune pour vous. Mais à quoi pensez-vous, grand Dieu? Votre cousine n'a que 15 ans. Que faites-vous de son avis? Elise restera dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. Et vous, jeune homme, que je ne vous vois plus. Il ne m'a pas fait de mal. Vrai, je suis nerveux, épouvantablement nerveux, et je l'ai toujours été. Mais pourquoi les gens prétendent-ils que je suis fou? Il ne m'a pas fait de mal. Comment cette idée m'est-elle entrée dans la tête? Elle me hante. Il faudrait que vous preniez de la soupe chaude. Je ne veux pas de son argent. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il chez lui? Qui fait que mon sang se glace. Vous ne voulez pas de votre soupe, elle refroidit. Il se fait tard. Bonne nuit, jeune homme. Bonne nuit.
Les fous ne savent rien, mais moi, j'agis avec sagesse, avec précaution, avec prévoyance. Bonne nuit. Ne savent rien, mais moi, j'agis avec sagesse, avec précaution, avec prévoyance. Doucement, oh, si doucement, il faudrait qu'il soit un vieil homme très profond, vraiment, pour soupçonner que chaque nuit, à minuit, juste, je l'épie pendant son sommeil. Furtivement, furtivement, il ne m'a pas fait de mal. Bonne nuit. Je suis là, ouvrant la porte petit à petit. Même pas de mes actions ou pensées secrètes. A-t-il entendu? Dois-je y retourner? Qui est là? Oh. Je connais
ce gémissement. C'est le bruit sourd qui s'élève du fond d'une âme chargée de terreurs mortelles. Bien des nuits, pendant que le monde entier dort, il jaillit de mon propre sein, creusant de son terrible écho la terreur qui me travaille. Oui, je le connais bien. Pauvre vieil homme. Il est resté éveillé depuis ce premier bruit, ses craintes allant grandissantes, malgré ses efforts pour se persuader de leur peu de fondement. Mais il ne peut y parvenir, parce que la mort, s'approchant avec son ombre noire, a enveloppé la victime. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Le battement de son cœur. Il doit être terrifié. Son cœur va éclater. Sûrement, il va éclater. Que se passerait-il? Que se passerait-il si un voisin l'entendait? Voilà. Terminé. Qu'est-ce que c'est? Son œil ne me tourmentera plus. Maintenant, que vais-je faire du corps?
tout déposé soigneusement entre les voliges. Replacé si adroitement qu'aucun œil humain, pas même le sien, ne pourrait y découvrir quelque chose de louche. Rien à laver, pas une tache de sang. Le baquet avait tout absorbé. Désolé de vous déranger, monsieur, mais quelqu'un a entendu un cri ou quelque chose de semblable. On nous a appelés. Nous devons vérifier ce qu'il en est. Que faites-vous éveillé à cette heure? Ça ira, Finlay. Entrez, je vous en prie, entrez. Et au sujet du cri, sergent? Oh, le cri, monsieur. Que savez-vous là-dessus? C'était moi, sergent. J'ai crié pendant un cauchemar. Je suis sujet aux crises de nerfs. Un gentleman comme vous? Et où il est, le vieil homme qui vit ici? Finlay. Parti à la campagne, le vénard. Pourrions-nous visiter un peu les lieux? Bien sûr, certainement. Cherchez, cherchez bien. Vérifiez par là. Et le fourneau aussi. Oui, monsieur. Monsieur. Vous devriez surtout inspecter la chambre du vieil homme. Oui, regardez-la particulièrement. Là-dedans, les gars. Attention! Désolé. Asseyez-vous! Asseyez-vous tous! Allez! Ne vous tracassez pas. Bien sûr, ils ne me soupçonnent pas. Mes manières les ont rassurés. Ce sont réellement des braves types. La journée a été longue. Il garde son trésor dans ce tiroir, là. C'est une nuit magnifique, cependant. Les étoiles scintillent dans toute leur splendeur. Ça n'a pas été dérangé, monsieur. Bien. Tout semble en ordre. Ne partez pas. Non, restez. Restez un moment. Reposez-vous bien de vos fatigues. Ah, ma tête. Qu'est-ce qui peut bien résonner dans mes oreilles? Ne vont-ils jamais s'en aller? Et ce battement? Mais attendez, ce n'est pas dans mes oreilles, c'est... Mon Dieu! Ne peuvent-ils l'entendre? Non, je suis en sécurité. Si seulement ils pouvaient partir. Ils doivent l'entendre, ils le doivent! Et pourtant... On se fait-il qu'ils ne l'entendent pas? Ils entendent... Ils se doutent, ils savent, ils se moquent de moi, misérable, cruel, misérable. Arrêtez, arrêtez! Je le reconnais, j'avoue! Arrachez le parquet. Voilà,
Voilà. C'est le battement de son affreux cœur. Que faire lorsque votre nom a été flétri, dites-moi? À quoi faut-il se résoudre? Votre frère a déshonoré votre nom. Séduire ainsi sa cousine, qui n'est encore qu'une enfant. Lorsque le sceau du déshonneur vous marque, il est indélébile. Nous n'éviterons le pire qu'en prenant des mesures immédiates. Sans hésiter. Sans hésiter. Élise devra ne plus quitter sa chambre. Vous devez vous interdire de les aider à communiquer d'aucune manière que ce soit. Oh, cousin, oncle Edwin est devenu furieux. Il m'a même interdit à jamais d'adresser la parole à Henri. Vous ne me refuserez pas ce service, n'est-ce pas? Je vous en prie, s'il vous plaît, donnez ce billet à Henri. Vous ne direz rien à mon oncle. Je vous en serai à jamais reconnaissante. Je me sens bien mieux. Venez ici. Jouez, je chanterai. Voulez-vous? Je vous en prie, restez. Je suis si seule ici. Vous avez fait des cauchemars cette nuit, non? Je suis si heureuse que vous soyez revenu. Jouez, voulez-vous? Mon Dieu! Du sang! Yeah.
était en place. Demain, c'est le grand jour. Yono, que j'ai attendu ce moment. Nous serons riches, au-delà de toute espérance. Voulez-vous du vin? C'est un délicieux sauterne. Jeune, franc, plutôt dur, buvable. Oh, nice to see you, nice to see you. Regardez ce type errant sur le littoral. Ça donne le frisson. Oh, nice to see you, nice to see you. Magnifique costume, signore Fortunato, magnifique. Puis-je vous chercher quelque chose? Ce serait beaucoup d'honneur. Vous ne voulez vraiment rien? Signore Fortunato, j'ai attendu que vous m'appeliez à ma villa. Et j'ai attendu que votre mari quitte la ville. Vous n'avez pas honte. Je parie qu'elle pourrait engendrer une tempête. Rien de tel que quelques marques sur la peau pour vous rappeler une nuit de passion. Oh, nice to see you. Nice to see you. Oh, nice to see you, nice to see you. Entirez un peu mon trésor. Mais qu'est-il devenu? N'étiez-vous pas en relation tous les deux? Je suppose que oui. Un peu rabat-joie, mon trésor. Oh, nice to see you. Riche, riche. Quand débarrasseront-ils les rues de ces voyous? Aucun respect pour le carnaval. Come back!
Mon cher Fortunato, je me demandais si vous pouviez m'aider. Lucchesi est incapable de distinguer l'amontillado de l'eau de pluie. Une barrique d'amontillado. Il a dû m'abuser, c'est inouï. Vous souffrez d'un gros rhume. Les caves sont insupportablement humides. Elles sont tapissées de salpêtre. Repartons. Je consulterai Lucchesi. Le rhume n'est rien. Lucchesi n'y connaît rien. Voici mes armoiries. Que signifie-t-elle ? Personne ne me nuit impunément. Très inhabituel. Était une grande et nombreuse famille. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'êtes pas maçon, n'est-ce pas ? Un quoi ? C'est là qu'est l'amontillado. L'amontillado. Posez votre torche ici. Qu'est-ce que c'est ?
Une bonne plaisanterie. Une excellente farce. Nous en rirons beaucoup au palais avec du vin. De l'amontillado. Oui. De l'amontillado. Il se fait tard. Mon épouse va me chercher. Partons. Oui, partons. Pour l'amour de Dieu, mon trésor! Oui, pour l'amour de Dieu. Demain, c'est le grand jour. Nous serons riches au-delà de toute espérance. Élise vous l'a donné ? Restez. J'ai besoin de votre aide. Edwin a totalement perdu la raison. Il est hors de lui. Il se refuse même à faire appel à un docteur en affirmant que l'état d'Élise résulte de mes prétentions contre nature. Nous devons faire front contre lui. Il faut tout faire pour qu'Élise quitte ces lieux lugubres. Vous, mon frère. Vous devez me venir en aide. Mademoiselle Élise n'est plus. Elle est morte. Tout est de ma faute. C'est ma faute. Je l'aimais comme je n'ai jamais aimé. Je me suis obstiné à refuser de voir qu'elle était malade. Ma mère, ma très très chère mère, est morte aussi de la sorte. Vous devez tenir secrètes les prétentions d'Henri.
Cela ne fait qu'outrager sa mémoire, qu'elle soit morte dans d'aussi abjectes circonstances. Cousin, mes sentiments n'avaient rien d'abject. Et ma douleur vaut assurément la vôtre. Je vous prie de me laisser la veiller décemment. Je ne vous demande que de rester là, auprès d'elle, seulement jusqu'à l'aube. Certes, c'est ce qui convient de faire. Votre frère ne peut rester dans l'obscurité. Apportez cette lampe que je remplissais dans mon atelier. Voilà, posez-la ici. Merci. Se venger ne veut rien dire, à moins que le vengeur ne se fasse connaître de sa victime. Bien sûr, celui qui se venge doit le faire sans se presser. Il veut que sa vengeance soit définitive. Je dois non seulement châtier, mais impunément. C'est une pauvre vengeance que celle qui nuit aussi à celui qui l'exerce. Monsieur, retournez à la villa. Dites aux domestiques que je serai absent toute la nuit. Ils ne doivent pas quitter la maison. Oui, monsieur. Immédiatement, monsieur. Ainsi, je suis certain qu'ils s'en iront aussitôt que j'aurai le dos tourné. Pendant des années, j'ai supporté ses offenses. Mais maintenant, il a osé m'insulter. Thank you.
Mon cher Fortunato, je me demandais si vous ne pouviez pas m'aider. J'ai acheté une petite barrique de ce qu'on donne pour de l'amontillado. Mais j'ai des doutes. De l'amontillado? Mais j'ai des doutes. Une barrique, mon trésor? Et au milieu du carnaval? Impossible. J'ai des doutes. J'ai été assez fou pour payer le prix fort sans consulter Fortunato à ce sujet. Excusez-moi, vous n'êtes pas mon trésor. Je suis désolé, je ne connais pas ce gentilhomme. Qui est-ce? Personne, signora. Absolument personne. Oh, nice to see you. Allons-y. Où? Dans vos caves. Mais votre femme vous cherche, certainement. Elle me verra bien assez tôt. Allons-y. Les rues deviennent dangereuses à cette heure. Nous serons bientôt en sécurité dans ma ville. Mon ami, c'est de la folie. Vous souffrez d'un gros rhume. Les caves sont insupportablement humides. Elles sont tapissées de salpêtre. Repartons. Je consulterai Lucchesi. Le rhume n'est rien. Lucchesi n'y connaît rien. Par ici. Cela apaisera votre toux. Par ici.
il a un point faible. Venez, nous reviendrons. Votre santé est précieuse. Vous êtes riche, respecté, admiré, aimé. Vous êtes heureux comme je le fus autrefois. Vous êtes un homme dont la disparition laisserait un grand vide. Pour moi, ça n'est pas la même chose. Là, tout n'est rien, ça ne me tuera pas. Je ne mourrai pas d'un rhume. C'est vrai, c'est vrai. Venez donc. C'est là qu'est l'Amontillado. L'Amontillado. C'est. C'est très humide ici. Une dernière fois, laissez-moi vous supplier de repartir. Non? Alors je vous laisse. Mais d'abord... Une excellente farce. Nous en rirons beaucoup au palais avec du vin. De l'Amontillado. Oui. De l'Amontillado. Il se fait tard. Mon épouse va me chercher. Allons-nous-en. Oui, allons-nous-en. Pour l'amour de Dieu, mon trésor! Oui, pour l'amour de Dieu. Fortunato. Je ne me sens pas bien. C'est à cause de l'humidité. Pace requiescat.
Le sol est trop détrempé au dehors pour lui faire une sépulture convenable. J'ai décidé d'ensevelir ma chère nièce dans la crypte inférieure. Éclairez-nous, je vous prie. Je me suis engagé sur les marches de la cave, précédant de peu mes compagnons et leur terrible fardeau. Nous avons pénétré dans ce cloaque humide, les lueurs de la lampe repoussant les ténèbres. Ce que je devinais dans cette obscurité vacillait devant mes yeux. Je sentais mes yeux se glacer et c'était comme si, transi et chercé, ils se rétractaient dans mon crâne douloureux. Ces visions lancinantes m'ont pourchassé jusqu'à ce que nous ayons atteint la seconde crypte. Nous sommes entrés avec précaution pour déposer le cercueil sur deux frêles tréteaux de bois placés là à cette intention. Cette tâche fut effectuée sans cérémonie. Partons. Elle repose en paix. Je ne peux me faire à l'idée de l'abandonner là, toute seule dans ce noir total. Cher frère, laissez là cette lampe. Laissez-lui un peu de lumière. Nous rentrerons dans l'obscurité. Ambers, condamnez la crypte. Remettez-moi la clé. Venez, messieurs. Chaque fois qu'elle est prise de l'une de ses convulsions, elle en émerge encore plus faible et elle est de moins en moins la cousine allègre d'autrefois. Aegus, veille sur Bérénice. Elle est entre vie et trépas. Jeune homme, depuis des siècles, notre famille a toujours fait honneur à son nom. Son état empire. Je reste à rêvasser pendant des heures interminables, l'esprit entièrement absorbé par la contemplation de quelques détails sans importance portés sur la marge d'un livre. Ou à répéter tristement un mot quelconque, jusqu'à ce que ce son, à force d'être répété, cesse d'évoquer quoi que ce soit et devienne dépourvu de signification.
Elle est de moins en moins la cousine allègre d'autrefois. C'est votre mère. Elle s'est sentie mal dans la bibliothèque. Elle désire vous dire quelque chose. Je suis terriblement inquiet au sujet de Bérénice. Je suis désolé de vous ennuyer encore avec tous ces soucis, mais ils occupent toutes mes pensées. Bien à vous, Aegus Poynton. Entrez. Cousin, vous ne quittez jamais votre chambre. Venez faire un tour. Aegus, veille sur Bérénice. Ses yeux se sont ternis. Aegus, vous vous sentez bien? Sur Bérénice. Dieu sait qu'elle m'a aimé. Ses yeux se sont ternis. Même au temps de sa beauté, je ne l'ai jamais aimé. Et pourtant Dieu sait qu'elle m'a aimé. Aegus, veille sur Bérénice. Dieu sait qu'elle m'a aimé. Ses yeux se sont ternis. Bérénice, j'ai pensé que nous devrions peut-être nous marier. Aegus. Oui, je crois que nous devrions. En novembre, peut-être. Je suis stupéfaite. Au secours, vite, venez. Bérénice est tombée. Non, tout ira bien. C'est fini. Venez, vous avez encore eu un malaise. De moins en moins la cousine allègre d'autrefois. Son état toujours empirant. Aegus, veille sur Bérénice. Dans l'une de ses convulsions, le jour de nos noces se rapproche. Vite, vite, jeune homme. Aegus, veille sur Bérénice.
Entrez. Cher Écus, votre jour est proche. C'est seulement avec les dents que je peux retrouver mon calme et ma lucidité. Monsieur, nous venons d'aller voir Bérénice. Elle... Oh, je n'arrive pas à le dire, elle... Elle est morte. Monsieur, un sanglot au cœur de la nuit. Nous sommes sortis voir. Oh, monsieur, sa tombe ouverte, monsieur. Dans son linceul, son corps sanglant, mais respirant encore.
Oui, vivante. Oh, monsieur, regardez. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Elle vit, j'en suis sûr. Je sens sa présence charnelle qui parcourt cette maison. Je l'entends chuchoter. J'entends même les pulsations de son cœur. J'ai tambouriné sur la porte de la crypte. Je le jure, j'ai entendu des frôlements de l'autre côté. Comprenez-vous? Elle est vivante! Votre frère n'a plus sa raison. Ambers lui-même ne parvient plus à le maîtriser. J'ai compris que vous aviez servi d'intermédiaire entre Elise et lui. Tenez, remettez-lui aussi ce message. Henri est d'une sensibilité extrême. Quand un tel être se laisse gagner par ses illusions, le mieux est encore de le faire peu à peu retrouver ses esprits à l'aide de ses illusions mêmes. Il croit Elise vivante, qu'il en reçoive donc une lettre. Remettez-lui ce message. Laissez-le imaginer qu'il provient d'Elise, qu'il apprenne de sa propre main qu'elle n'est plus de ce monde. J'ai besoin de votre aide.
tomber, c'est le moment. J'ai tenté de le suivre, mais la hâte me rendait maladroit. Ma colère est une lame acérée. Votre frère est devenu fou en respirant des vapeurs de solvant à la chaleur d'une lampe. Vous leur portiez des messages. Vous chantiez et flirtiez avec elle. Vous avez tenté de le sauver. Lorsque vous ressentez des vertiges, avalez une gorgée de ce remède. Ça devrait calmer ses accès. Et je dois vous recommander de garder le lit. Je n'ai pas eu de fille. Voici ma robe de mariée. Je souhaite que tu la portes quand ce jour de bonheur viendra pour toi.
Bonjour, mademoiselle. Je viens simplement voir si vous allez mieux. Eh oui, merci, Catherine. Oui, mademoiselle. Cousin, vous ne quittez jamais votre chambre. Venez faire un tour. Il a l'air tout à fait ailleurs. Bérénice, voulez-vous m'épouser? Écus. Oh, Écus. Oui, de tout mon cœur. Sévère attaque. Du repos. Avant tout, du repos. Bérénice, ma chère Bérénice. Mademoiselle Bérénice, vous serez bientôt mariée. Oh mon Dieu, mon Dieu! Il a l'air si loin de tout. J'espère qu'il va bien.
ça a l'air au plus mal. Peut-être ferais-je mieux d'appeler le docteur. Je ne me sens guère mieux. Je dois prendre ma potion. Ma potion. Ma potion. Trop tard. Mais que faire ? Imparable. Oh, Jésus. Jésus. Navré. Elle est morte. Nulle pestilence ne fut si mortelle, si répugnante. Le sang en est l'avatar et le poinçon, l'éclat purpurin et l'épouvante du sang. La cérémonie ne fait que commencer. Edwin, je suis vivante, mon oncle. Je suis vivante. La fonction réelle de la lampe, les vapeurs de solvant conduisant à la folie, les pressentiments d'Henri. Soudain, tout ceci s'éclaircit. Je pus sentir et entendre un fracas déchirant. Comme un miroir qui se brise, se répercutant à travers la maison, croissant en volume et en puissance. Et sous mes yeux hagards, la maison autour de nous, la crypte, la lampe, Élise, ses yeux ensanglantés, tout éclata. Éclata en mille morceaux. Éclata comme le firent les sombres profondeurs de mon âme.